La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, les chiens et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joanne Schaffer de Pays Libre. Bonjour Joanne. Bonjour. Il s'agit d'un thriller pour adolescents. Oui, c'est l'histoire en fait d'un garçon, Cameron, qui va devoir déménager avec sa maman dans un village qui s'appelle le Creux du Loup. C'est un village assez mystique, sombre, on sent déjà l'ambiance très, très forte, on sent le suspense depuis le début du livre. Et ce garçon, en fait, va, sans le vouloir, ouvrir une enquête vieille de 50 ans. Il y a en même temps ce côté, comment on peut dire, mystique, justement, parce qu'il y a, il va faire la rencontre d'un garçon. Et on va se rendre compte petit à petit qu'en fait, c'est un fantôme qui vient du passé, qui est lié à cette enquête datée d'il y a 50 ans. Donc, on va suivre tout ça. Et finalement, même l'histoire va devenir un peu folle. On va même se demander si vraiment l'auteur ne nous fait pas... nous raconte pas des bêtises et que l'histoire ne veut rien dire. Et jusqu'à la fin, on pense que ce garçon est fou et la chute est juste magnifique. Ça vaut vraiment la peine de lire. Une chute qu'on va évidemment pas révéler. Non. Mais qu'est-ce qui... Le style suit, en fait, justement, ce suspense et cette... Oui, c'est rapide. C'est vraiment un rythme rapide. On n'a pas le temps de souffler. Vraiment un moment où on croit enfin qu'il va résoudre cette histoire, ben non, paf, il y a quelque chose qui arrive, c'est vraiment un enchaînement de choses, ouais, c'est... À lire, quoi. C'est à lire, ça a coupé le souffle, c'est génial. Alors, pour adolescents, certes, mais aussi pour adultes, oui. Merci beaucoup, Joanne. Vous l'aurez compris, il faut le lire, si vous avez envie d'avoir une histoire un peu haletante, qui vous prenne et qui vous occupe les nuits quand vous n'arrivez pas à dormir. Marc Page, c'est terminé pour l'instant, mais vous le savez, nous reviendrons très vite vous conter d'autres histoires, parce que la littérature, je vous le dis souvent, c'est la vie. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre Bien, Vivre Mieux, vous ont présenté Marc Page.